Il va falloir faire tout plus vite, et déjà tout plus vite dans notre activation sur la glace. Il va falloir qu'on arrive à avoir un temps d'avance. C'est ce focus-là qu'il va falloir avoir demain. Ils mettent beaucoup d'emprise en zone off, d'accord? Mais tous les jeux de transition contre n'importe quelle équipe, il y a toujours 3-4 séquences dans le match que tu arrives à identifier où ça se déchire, ça laisse de l'espace, d'accord? Pas trop focus sur le côté défensif. Situation favorable pour Grenoble pour moi, là-dessus. Ils ont le puck. Ouais, mais demain, nous, là, si on veut avoir le puck contre cette équipe-là, et qu'on veut créer des choses offensivement, là, ben, il va falloir s'activer. C'est un très très bon exemple. Tu ne relâches pas ton effort demain. Tu bouges tes pieds, tu vas au combat, là, tous tes duels de Cannes, là, au lieu d'avoir 10%, là, comme le dernier match contre Rouen, là, là, il faut l'inverser, cette tendance. Tous les duels de Cannes, là, demain, il faut que le pourcentage, il soit supérieur à 50. Oui, ça demande de la technique, mais ça demande une grosse paire de couilles et une grosse volonté. Il y a des déséquilibres, il y a des espaces qui se créent, et c'est là où il faut avoir la lucidité d'aller dans ces espaces-là pour une ligne de passe, pour rentrer, mettre un lancer honnête, d'accord? C'est des choses basiques. Mais l'effort que ça va demander pour arriver à ça, c'est 200%. Je sais que vous allez être prêts demain à 15h. On est arrivé ici par notre travail. On mérite d'être là. On mérite pas moins que Grenoble ou n'importe quelle équipe. On est là depuis 2 ans parce qu'on fait le job. Mais ça suffit pas d'être là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Eh oui, ils vont voir le puck. Oui, ils vont tourner. Mais putain, si à un moment donné, on se dit, eh, c'est bon là, d'accord? Là, je vais faire l'effort. Je suis peut-être un petit peu cramé, mais je vais faire l'effort de me rapprocher du gars. Je sais pas n'importe quoi, là, avec ma canne. Ces petits détails-là, ça va prendre son importance. Et pour moi, c'est ce qui aura le plus important pour cette finale, à l'intérieur de ces 60 minutes. Ok, les boys? Allez! Okay, the main thing why we had a meeting today, just to kind of like shortly about a few things what we have been already talking, but the one big thing is that during the whole year, that's the one part what we have been trying to achieve to come here. We can trust each other and we have that kind of good environment here. We are here to support each other. So that's the great part in this team. And that's some other things what I would like to show there. I would like that some of our players are also talking a little bit about their experiences here, because I think that some of you have been here earlier, or which one have been here earlier? Damien, Kyle, Nick, Sasha. Pleasure to be like on the ice for this kind of moment and this kind of game that you don't even care like what happened, you just want to win, and it's everything for the team, and we will remember it for the rest of our life. So that's it. C'est important, hein, qu'on s'active là et qu'on monte dans les tours, d'accord, pour pas être trop relax, hein. C'est il faut y aller là, hein. On check par-dessus l'épaule, on bouge le puck rapidement, projection, rush de contre 1, on active le défenseur, d'accord? Donc oui, la verticalité, si à la ligne de passe, il n'y a pas de problème, c'est pas bago-bago, ou pas de solution, on peut activer le défenseur, d'accord, sur le rush. Shoot, peut-être déviation, et on met l'emprise derrière, d'accord, pour jouer tous les rebonds libres. Allez! Oui! Le boulot, on l'a fait. On l'a fait depuis le mois d'août. C'est un rêve, je pense qu'on l'a tous là. D'accord? Mais pour ça, là, il va falloir livrer un gros défi, un gros combat là pendant 60 minutes. Ok boys, allez! We get the puck, we make a back check. The next guys are coming here, so you support if the puck is here. You support that middle all the time. You get the puck, you go. So simple one, we know it. Let's do it a few times, really, with a good effort. How many times Gap has been here lately during the last years? Huh?
two? Yeah, this is the third time. They have lost every time. What they try to do and what they did against us in Gap and what they try to do for tomorrow also. They try to outwork us. How you respond, that kind of thing. We have to go at least to the same level or higher. And then when we do that, what will happen? Then our skills are coming from there. But if we don't do that, then it will be a long evening for us. We have to be really ready to play tomorrow. So let's really take care about that part. On est de tout cœur avec eux et qu'on croit fort en eux. On n'a pas forcément le budget des gros clubs, mais c'est la force du club, ouais, l'esprit de famille et puis c'est les origines du hockey aussi à la montagne, quoi. À nous, on a un groupe qui vit très bien depuis le début. On n'a pas trop de soucis. On est une vraie famille, quoi. Donc on s'éclate, on rigole tous ensemble. Voilà, on a hâte, on va y avoir beaucoup d'excitation. Et je pense que l'excitation va créer une pression positive, quoi. We defense well. That's one of our strengths. We are able to defense today. If we play more in the offensive zone, that's basically the big key to get that victory from today. We do everything for the win today. All of those small things are kind of like, are you hitting somebody back or not, are important. So, let's enjoy the show, boys. Let's go, boys. Son équipe univers, si ça passe, c'est pas un coup de chance, c'est pas un match de U17, c'est une finale de Coupe de France. Le meilleur marquera l'histoire, supporter craint pas le froid. Couche sur la patinoire de l'Accor Arena. C'est le jour J, c'est l'instant T, on peut plus reculer. Des milliers de fans de la France entière vont faire un vrai tourner. Ça va crier, ça va crier, ça va sûrement s'énerver. C'est comme ça quand on vise le trophée, puis de la liberté. 29 janvier, t'inquiète pas, je suis prêt. Allons enfants, le jour de gloire est arrivé. Mentalité, on donne tout ce qu'on a, on réfléchit après. C'est comme ça quand on vise le trophée, puis de la liberté. 29 janvier, t'inquiète pas, je suis prêt. Allons enfants, le jour de gloire est arrivé. Mentalité, on donne tout ce qu'on a, on réfléchit après. C'est comme ça quand on vise le trophée, puis de la liberté. À la limite, on se sent plus stressé qu'eux, c'est assez déconcertant. Sur la glace, les joueurs en sueur de fou. T'es un rapace ou t'es un brûleur de loup. Win the fucking battles, boys! Fast transition, stretch the play. When you're offensive zone, shoot the puck. Be in front of Stefanek, okay? Get for the rebound. And all those details gonna bring us momentum and confidence, and they're gonna start to doubt. Because those guys already think they won the cup, but they don't know us, boys. They don't know us. Because we're gonna stand for each other. I'm gonna be there for you for 60 minutes because I know if I look in the eyes of everybody, everybody's gonna be there for 60 minutes. We're gonna stand for each other. This guy, our captain, gonna show us the way to leave this fucking cup. But we're gonna be there to help him in this task. This guy is gonna give his life to stop every fucking puck. And we're gonna be there to block shots, to clean the rebound, get the sticks. This is gonna bring us to the cup, boys. Hey guys, are you ready for this fucking barbecue? Yeah! Are you fucking ready for this fucking barbecue, boys? Yeah! You say Vara, Paso, Vara, Paso, Vara. When I say Mace, you
game, what that means. Release yourself to the game. So we're kind of like, we know how what we are doing, what we try to do, and we do that together with the full effort. And today, we are all there kind of one more time, kind of like together doing those things. And it's not the better feeling than go there with you guys. That's in my mind. So let's skate, let's paddle, and let's win the game. Come on, boys. Oh, yeah! Yeah, yeah. Dans quelques instants, le début de cette rencontre entre les Brûleurs de Loups de Grenoble et les Rapaces de Gap. On va s'attarder à un joueur, c'est le meilleur marqueur depuis le début de la compétition. C'est aussi le meilleur marqueur des Brûleurs de Loups de Grenoble, c'est Nicolas Deschamps. C'est le facteur X de la montée. C'est parti pour cette grande finale de la Coupe de France entre les Rapaces de Gap et les Brûleurs de Loups de Grenoble à l'issue de cette partie. Des émotions intenses, fortes, qu'elles soient positives ou négatives, en tout cas il y en aura. Et premier engagement en zone offensive pour les Rapaces. Chaque engagement compte, chaque duel va évidemment compter énormément dans cette partie. Romain Gutiérrez face à Joël Champagne, il est remporté par l'attaquant des Brûleurs de Loups de Grenoble et capitaine. Cowden, la première grosse charge de cette partie tout de suite. Ils tentent de se faire respecter dans leur zone défensive, les Rapaces. Ils commencent à montrer l'écro, les Rapaces de Gap. Avec une lancée de Correa. Talking. Des différences, il est à 38. L'ouverture du score pour les Rapaces de Gap après un peu plus de 5 minutes de jeu. Une des premières séquences de possession en zone offensive aura suffi aux hommes de Eric Bé pour marquer le premier but de cette partie. Et c'est bourgeois. Oui, et c'était une des premières séquences dans la zone offensive. Ok, next shift. Et dans le coin. Et on a retrouvé là, ici, Bourgeois dans l'axe qui se pose pas de questions. Il contrôle, il va shooter un petit shoot mi-hauteur, 10 cm, 20 cm au-dessus et ras du poteau. Et la première occasion est la bonne pour Gab qui mène 1-0. Hardy, ouais, qui temporise, vient trouver la marche. 7 secondes encore à faire. Et là, ouais, ce sera trop peu de temps finalement avant une dernière situation, une dernière occasion. C'est la fin du premier tiers-temps de cette finale de Coupe de France. Et ce sont les Rapaces de Gap qui ont le Et on fait gaffe à nos crosses parce qu'ils vont continuer d'amplifier. Mais si on continue à les frapper comme on a fait là, les gars, là, c'est eux qui vont s'énerver. Hein. Ils aiment pas ça là. Eh ouais. Sometimes you have to understand that how you use your teammate. That you don't have to force something. You buy time, for example, the center to go there when you give that easy pass. C'est quasi sûr à 200% que c'est notre meilleur tiers depuis bien longtemps. You got the puck. You start moving. So at the same time, you are guys, I know that you are able to kind of like to watch and move at the same time. But then we get our D's to the game also. Mais faire le meilleur tiers là, ça suffira pas. C'est 60 minutes qu'il va falloir qu'on s'implique. Et je dis bien s'implique, pas jouer. S'impliquer de la même façon. We have to do the work all the time. And it's the same thing after takeaways. On met la même énergie, la même rigueur, d'accord, à protéger notre gardien. We are always fresh to defense. So offensive zone changes all the time rolling. Let's do better, guys. Let's do better. More. D'accord, on leur laisse pas reprendre le fil de ce match-là. Mais pour ça, comme je vous ai dit là, continuer à faire les efforts et les détails et être à cheval sur les petits détails. Let's go les boys. De retour en direct de l'Accor Arena à quelques instants du début du deuxième tiers-temps de cette finale de la Coupe de France entre les Rapaces de Gap et les Brûleurs de Loups de Grenoble. Pour l'instant, un petit but de marqué dans cette rencontre. L'œuvre du défenseur Fabien Bourgeois qui a profité, on va dire, d'une
Allez, si tu veux, là, on continue, hein, on baisse pas les boys. Moi, je pouvais même pas t'aider. Le gardien, il était sorti, il était entre nous deux. La première, j'ai l'impression qu'il est en plus, après, il te met la crosse. Non, c'est qu'en fait, dans son déplacement, le gardien, il tape la crosse. J'arrive à gratter le palais entre ses jambes, là, derrière lui. Ouais, quand tu veux. Et je veux, genre, du coup, je veux la ramener comme ça pour la pousser à la cage. En fait, dans son déplacement, il m'a tapé la crosse et le palais, il est parti. Allez, gros, hein. Tout de suite, les boys, tout de suite. Ils ont réussi à prendre l'avantage et c'est tout ce qu'ils ont besoin. Effectivement, maintenant, ils peuvent, je dis pas laisser venir les Grenoblois parce qu'on ne peut pas se contenter de défense contre Grand, mais ce que je disais tout à l'heure, les Gapensiers, pardon, laissent faire Junka le premier arrêt et ils sont toujours là sur les deuxièmes palais. Voyons s'ils arrivent à réagir, plus, oui. Voilà, et être plus attention au milieu. Parce que c'est ça un peu qui leur manque, ils n'arrivent pas à gagner les duels dans la zone offensive des Grenoblois actuellement. Avec Gutiérrez, ouais, ça a été légèrement touché par Arzi qui cherche Reinierder qui vient faire la différence. C'est un joueur qui est très technique au Reinierder. Attention Hardy, le tir, le premier lancé de ce deuxième tiers-temps. Il est pour les Brûleurs de Lens et pour le défenseur mobile, Kyle Hardy, c'est arrêté par Junka. C'est fait là, on a pris le contrôle de la rondelle. Et Brûleurs de Lens, le lancé de Aubin, le tir puissant, ouais, qui passe à côté des filets de Julien Junka. Bourgeois dans le coin qui est pris par deux joueurs, ils sont dans un temps fort, les Brûleurs de Lens de Grenoble. Ils tentent, ouais, de faire mal très tôt dans ce début de deuxième tiers-temps. Ouais, quelques petites erreurs techniques, hein, de part et d'autre depuis le début. Attention avec le tir, la cage qui a bougé. Oh, et ça a fait poteau tout de même. Énorme occasion et c'est toujours le même joueur, le facteur X de cette équipe des Rapaces de Gap. Et tout passe au Vara. Oui, alors que la cage avait bougé. Mais donc on réclamait bien sûr du côté de Gap une pénalité à l'encontre du gardien. Ah oui, parce que là c'était poteau rentrant. Grenoblois. Et là c'était poteau rentrant. Ouais, c'est possible. Parce que la cage a bougé, ouais. On voit bien le palais. Et normalement dans ce cas-là, ça pourrait être accordé. Ça pourrait être accordé. Hein. Puisque ouais. le poteau gauche n'a pas bougé. Ici, tac. Ah oui, normalement c'est accordé. Le but qui est accordé. Mais oui. Bien sûr. Le joueur est tout passeur. Non, mais c'est la règle, effectivement. Passeur et désormais buteur, ça fait 2-0 pour les Rapaces de Gap qui font le breakdown bien sûr dans ce deuxième tiers-temps. La remise derrière pour Hardy, c'est un nouveau tournant dans cette partie. Le tir de Kyle Hardy qui vient s'écraser sur la barre transversale de Julien Junka. Incroyable situation. Non, pas très bien placé parce qu'il manque quelques millimètres. Et le but derrière, la réduction de l'écart sur l'engagement qui a suivi le lancer de Nicolas Deschamps, cette fois-ci à tromper Julien Junka. Le match est relancé 2-1 désormais pour les Rapaces. Oui, on l'avait dit, hein, c'est par le hockey qu'on peut arriver à faire changer les choses. Et quand les Grenoblois se mettent à jouer au hockey, là, bien sûr, une supériorité numérique. Et là, un engagement gagné où effectivement on arrive à décaler le shooter avec du monde devant la cage. Un shoot très très bien placé. Et non, c'est un dégagement qui a été raté, je n'avais pas vu ça, le petit passe de décalage. Et là, et oui, il y a du monde devant la cage. Hein. C'est Der qui vient marquer ce but, c'est Aurélien Der qui vient dévier ce palais juste devant Julien Junka. C'est Aurélien Der peut-être qui vient sonner la révolte du côté des Brûleurs de Lens à 5 minutes de la fin du deuxième tiers-temps. Let's start now playing. That's the only thing what we can do. We go there and we put the better effort. And still we have to remember that we have to do the defensive work. Because the defensive work is also giving us something. But now we don't use that so well. Allez, petit gars, là, allez. 20 minutes, putain, les gars. 20 minutes pour la sauver, là. On sacrifie les boys, hein. On donne tout, là. On continue dans les duels. On est dans leur face tout le temps. On est là. Ils n'ont rien, ils se frustrent. On laisse un but de merde, à part ça, ils n'ont rien, les boys. On continue, là, allez. We have to be that defensive awareness all the time. Sometimes we have the defense in the zone. But everybody is doing the work. We have 20 minutes left. That's fucking long time in hockey. On va envoyer ce joueur-là. Et là, je veux que ça revienne dans le milieu. Centre, dans le milieu. Que lui. Tu pars pas derrière la cage, là. S'ils font le short over, tu viens devant pour gêner, d'accord. Mais là, c'est milieu. Milieu, les deux defs, d'accord.
ils cherchent systématiquement la projection, un dans le milieu et un couloir opposé. Donc on vient fermer ça, d'accord, on essaye de les pousser sur un côté. So, now it's time to go there and win the game. So let's go. Les Blancs, on donne tout là, putain, 20 minutes. Putain de finale là. On est là où on veut être. On mène 2-1, il reste 20 putain de minutes. T'es fatigué, t'es cramé, d'accord, t'as mal, t'as ci, t'as là, t'as rien du tout. T'as rien du tout. On veut aller au bout du bout là. Il reste 20 putain de minutes et on peut le faire. Et on va le faire, let's go là. Les derniers ajustements, les derniers messages. Et après, il sera trop tard. Ça en sera parti pour ce troisième tiers-temps de tous les dangers entre Brûleurs de Loup et Rapace. Dimitri Thillet. Ah, c'est bien joué, décalage. Il a manqué la finition, ouais. Il avait tout fait là-dessus. Le numéro 47 des Rapaces de Gap. Ouais, avec Champagne qui était revenu à toute vitesse. Le voici, Aurélien Martiner. Et la pénalité, il obtient la pénalité. Les Brûleurs de Loup vont avoir un joueur de champ supplémentaire. Avec la domination des Brûleurs de Loup et bel et bien là. Mais ils sont menés au score. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pénalité. Oui, pénalité. Deuxième pénalité contre. Alors, j'ai pas du tout vu ce qui s'était passé. Alors, oui. On y va, les boys, là. La radio prend les pénalités de merde, là, puis on y va. À mon avis, c'est une pénalité de banc mineur parce que. Et attention, c'est un véritable tournant. Un tel bon fond, fond. Danger là. Hardy avec Fleury, ils sont évidemment installés, les espaces sont là. C'est une énorme chance là pour les hommes de Girkiao d'égaliser dans cette rencontre. Fleury avec la passe pour Nicolas Deschamps. La pression est énorme, c'est irrespirable pour les Rapaces de Gap. Damien Fleury, le capitaine de l'équipe de France qui vient libérer les Brûleurs de Loup. Reste focus sur ce qu'on a à faire, les boys là. Oui, et c'est je pense Deschamps hein, qui a temporisé au maximum. Il avait plusieurs possibilités en bas de l'autre côté au premier poteau. Enfin, sur tous les pocs, les boys. Hein. C'est encore une bonne tête de supériorité numérique. Ah oui, c'est un tournant. C'est un tournant dans cette finale de Coupe de France. Et pour l'instant, ils tiennent le bon bout, les Brûleurs de Loup de Grenoble, en ayant marqué le but égalisateur il y a quelques instants. Attention, et peut-être qu'ils vont passer devant. Bien. Le but de Poupou. Sur le côté gauche, le palais récupéré. Quel chute de la part, c'est pas fini. C'est ce qu'on veut. Ça a été sauvé. Oui. Quel sacrifice de la part de Julien Munoz. 25 secondes encore à faire. La marche qui tente de dégager son camp. Ah, il a été contré. Attention, c'est récupéré par les Rapaces. Et derrière, dégagé. Il n'a pas essayé. Par Maxime Lamarche. 15 secondes encore à faire. Ah, il se dirige tout droit vers un cinquième titre de. Stay moving, stay moving. Ce troisième tiers avec une double supériorité numérique qui a suivi effectivement à passer devant et à prendre ce trophée qui est fuyé depuis quelques années. Hein. Et en tout cas, au vu de leur joie et de la façon dont ils ont jeté leurs gants, leurs crosses et leurs casques, il y a vraiment de la joie dans cette équipe grenobloise. Hein. Et de l'autre côté, les gars pensés vivent pour la deuxième année consécutive une défaite en finale. Alors qu'ils ont forcément, forcément que c'est triste, que c'est compliqué pour les Rapaces de Gap qui pour une deuxième année consécutive eh bien, viennent perdre en finale de Coupe de France. Alors qu'ils avaient mené encore une fois, ils ont mené au score. On a une grosse paire de couilles nous. Nous on nous laisse pas rêver à nous. On n'a pas le droit. On va les remercier là. Allez.
leur temps fort, ils ont réussi à passer devant. Passer une courte tête, mais en tout cas, ils sont devant. Et c'est tout le scénario du match, c'était incroyable. Ouais, des bonnes émotions. On savoure, là, on profite. Ouais, ouais, on profite. Ouais, là, c'est... Ça fait 5 ou 6 ans que Grenoble attendait ça, et ça y est. Franchement, dans un verre si chaud comme ça, c'était... Ouais, c'était vraiment le top. C'est bien, mais. Et on avait tout. On avait tout ce soir. On avait tout pour aller la chercher et la soulever. Tout. Oui, mais. That's okay. Wasn't an easy one. But we find a way to win the game, and that's the most important. It was really tough game in many ways during the first and second period. This was one of our goals this year, and we got it. Derrière son équipe unifiée, si ça passe, c'est pas un coup de chance, c'est pas un match de U17, c'est une finale de Coupe de France. Comme l'année dernière, ça s'est perdu en prolongation. Là, ça s'est perdu à pas grand chose. Vous pouvez vraiment être fier de vous et vous applaudir. Des milliers de fans de la France entière vont faire un breakaway. Ça va crier, ça va prier, ça va sûrement s'énerver. C'est comme ça quand on vise le trophée, bute la liberté. 29 janvier, t'inquiète pas, je suis prêt. Allons enfants, le jour de gloire est arrivé. Mentalité, on donne tout ce qu'on a, on réfléchit après. C'est comme ça quand on vise le trophée, bute la liberté. 29 janvier, t'inquiète pas, je suis prêt. Allons enfants, le jour de gloire est arrivé. Mentalité, on donne tout ce qu'on a, on réfléchit après. C'est comme ça quand on vise le trophée, bute la liberté. Sur la glace, les joueurs en sueur de fou. T'es un rapace ou t'es un brûleur de loup. Sur la glace, les joueurs en sueur de fou. T'es un rapace ou t'es un brûleur de loup. Qui va pouvoir soulever la coupe aussi haut? Qui va faire le coup du chapeau?